Johan Cruyff, probablement le plus prestigieux sportif du monde, né en 47, 30 ans depuis le 25 avril. Cruyff, c'est avant tout l'apparition soudaine de l'Ajax d'Amsterdam, puis l'éclosion du football hollandais avec la seconde place au Mondial de 74. Enfin, il permet à son club d'adoption, le FC Barcelone, de rivaliser plus systématiquement avec les grandes formations ibériques, le Real, l'Atlético. En fait, un joueur de classe, toujours en mouvement, l'œil scrutateur, d'où son sens de la vista, la rapidité d'exécution, un organisateur mais aussi un finisseur. Il possède si bien le sens du jeu que le ballon semble lui coller au corps, un véritable dompteur ou plus simplement un prestidigitateur. Depuis 4 ans, il est la vedette du FC Barcelone. Un sportif que l'on croit inabordable, mais à tort. Il se cache pour survivre. J'ai souvent dit que j'exigeais de l'argent pour accorder une interview. C'était la meilleure façon de repousser les journalistes. C'est la seule raison. Si quelqu'un vient m'interviewer, j'accepte. Mais heureusement, tout le monde ne vient pas. J'ai trop de travail. Vous venez de Suisse, mais d'autres journalistes de Hollande, France, Belgique souhaitent aussi venir. De partout, en fait. J'ai un minimum de temps à ma disposition et c'est pourquoi je demande de l'argent. En fait, je n'en demande pas, mais je fais croire à travers les journaux que j'en exige. Ainsi, le 90% des journalistes ne viennent pas. Le club des trois, Mikkels, l'entraîneur, Neskens, le marathonien, et Johan Cruyff, tous néerlandais. Un conseil d'administration en soi. Barcelone leur doit beaucoup, c'est incontestable. Cette semaine, vous avez joué à Amsterdam contre la Belgique avec l'équipe de Hollande et ce week-end à Barcelone contre Las Palmas. N'y a-t-il pas de visage de Cruyff? Non, seule la couleur du maillot change. C'est la seule différence. Ils me demandent de jouer avec la Hollande et je joue avec l'équipe nationale, mais mon travail, je l'accomplis à Barcelone. Nummer 7, Johan Neeskens. Twee plaatsen daaronder met nummer 11, René van de Kerkhof. Met nummer 9, Johan Cruyff. On ne peut oublier que le football hollandais a dépassé le stade de la figuration. 4 victoires en Coupe d'Europe, dont 3 pour Ajax, et une finale mondiale pour la Hollande. Tout cela grâce à Cruyff. Que pensez-vous des grandes vedettes, de la relation entre les gens en général et vous, par exemple? Dans cette vie, si vous avez beaucoup d'amis, vous devez être heureux. Et je tente d'avoir beaucoup d'amis et de contacts avec autrui. Mais en tant que vedette, vous devez être antipathique par moment, sans quoi vous n'avez plus de vie privée. Et je dois à tout prix préserver ma vie privée. Thank you.
À 30 ans, Johan Cruyff obtient une satisfaction supplémentaire. Il parvient à qualifier la Hollande pour l'Argentine. 1-0 contre la Belgique au cours du match décisif. But de Van de Kerkhoff. Mais Cruyff a-t-il l'intention de se rendre en Amérique du Sud ? Non, je n'irai pas en Argentine. Non, je ne changerai pas d'avis. Mais alors que ferez-vous l'année prochaine ? Je ne serai plus footballeur, il s'agira de faire autre chose. Quelle sorte d'activité ? J'ai encore 8 mois pour y penser. J'espère pourtant trouver une activité que j'aime. Et si Barcelone remporte le titre de champion d'Espagne, vous continuerez ? Non, je veux m'arrêter rapidement. Et dire qu'à 17 ans, alors qu'il débutait en première d'Ajax, il manquait de puissance. Lorsqu'il tirait un corner, la balle n'arrivait jamais au but. 13 ans plus tard, non sans avoir remporté 3 ballons d'or, on peut sans crainte aucune le comparer au Pelé, Di Stefano et Charlton.